Donc là, c'est ma fête aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ma petite robe noire que j'ai déjà présentée dans mes vidéos, tout ça. Puis ma petite couronne. Puis, mais là, le matin, je me suis réveillée. Puis là, j'avais mal à la tête. Je sais pas pourquoi. J'avais mal à la tête. Écoute. Fait que là, j'étais comme non, pas aujourd'hui, pas la journée de ma fête que je vais avoir mal à la tête. Je me suis couchée tard hier, j'ai fini tard, puis là, après ça, ben j'ai fait des cupcakes. Ouais, j'étais, je suis rendue vraiment comme une real housewife, hein, ouais, je m'impressionne pas mal, tu sais, fait que j'ai fait des cupcakes à 10h30 du soir, tu sais. Après ça, ben là, j'avais fait un peu de poutine, tu sais, après avoir mangé comme 3 cupcakes, tu sais, je me suis dit, c'est ma fête, là. J'ai fait une poutine. J'ai fait des frites. Il était comme 11h15 du soir. Après avoir fait des cupcakes, tout ça. Faire une poutine. J'ai dit tabarnouche. On dirait que j'attends des hommes à venir manger. On dirait que j'étais comme ma grand-mère quand elle faisait à souper et à dîner pour des hommes là, qui venaient manger. Là, parce qu'elle. Tu sais, comme mon grand-père travaillait, puis. Tu sais, il y avait ses amis, tout ça. Fait qu'elle avait comme les quatrons tout allumés, là. Fait que j'avais l'air vraiment d'une real housewife hier à faire de la popote. Puis, fait que j'ai fait comme au moins une vingtaine de petits cupcakes. Là. Puis, cet après-midi, je m'en vais chercher mon gâteau. Parce que là, vu que c'était semaine par semaine qu'ils faisaient les réservations, ce qui est vraiment stupide. Parce que tu sais, je l'aurais payé, j'ai été 2 semaines passées toutes. Elle peut pas me l'avoir faite avant 3h. Il va être prêt, censé être prêt pour 3h. Puis avec là, j'ai fait écrire bonne fête Sophie Licious, puis tout ça, parce que Sophie Licious, c'est une grosse affaire avec mes amis, tout ça, là. Puis là, ben en tout cas, moment de tête, je suis contente, il a passé, j'ai pris une Tylenol, là, aussi vite que j'ai su jamais mal à la tête, puis ça partit, j'étais comme, phew, good. Parce que c'est pas la journée pour ça. Là, hier, je me suis acheté finalement, là, j'en ai trouvé des bottes de cowboy, puis je suis tellement contente, OK? Ça fait longtemps que j'en voulais. Puis là, mais autour chez moi, il n'y a pas bien de place qu'en vendre. Puis quand j'allais en ville, j'en voyais jamais, tu sais. Parce que c'est ça, c'est pas toutes les places, on dirait, qui sont comme country cowboy, là. Mais là, je suis contente, puis c'est des boulets. Les boulets, ça a l'air que c'est comme the brand of the cowboy boots. Fait que là, parce qu'il y en avait des bottes de cowboy que tu pouvais porter à l'occasion. Et moi, je voulais vraiment sûr que je peux porter tous les jours, là, puis les user, tout ça. Fait que j'ai bien hâte de les porter. Ben, je les porte aujourd'hui, là. Puis, je les casse, tout ça. Et, ben, c'est sûr que printemps. Je les ai essayés à mes jeans déchirés, là, mes petites shorts, là. Puis ça. Ah! Je capotais, là. Fait que là, je m'en vais me faire bronzer après-midi, parce que c'est gratuit, la journée de ta fête. Je cours mes affaires gratuites, tu sais, aujourd'hui. J'ai été dîner à mon endroit, bon, un de mes restaurants favoris. Je dirais pas parce que c'est pas mal local. Mais tu sais, j'ai tout le temps mes petites places ici et là, comme ça. Puis, mon dîner était gratuit, tout ça, avec la bonne musique country. Et là, ben, ce soir, je m'en vais avec mes amis à une autre place, que c'est... My place to be. C'est comme, des fois, je suis tout le temps rendue, là. Fait que je m'en vais fêter avec mes amis, avec maman Sista aussi. On s'en va voir une partie de hockey locale. Puis, ouais, j'ai pas hâte de voir mon gâteau. Ça va être de Little Mermaid. Crée bonne fête, Sophie Licious, 25 ans. J'ai fait mon gâteau parce que je savais qu'est-ce que je voulais vraiment sur mon gâteau. T'sais, je me connais, je savais qu'est-ce que je voulais. Fait que, tu sais, il y en a que, ah, c'est poche, tu sais, t'as fait ton gâteau, mais non, c'est pas poche. What Sophie wants, Sophie will get, and she knows what she wants. So, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais. Puis là, ben, au matin, c'était un petit peu maussade le temps, mais là, le soleil commence à se lever, puis tout ça. Puis, ouais, ça va être une belle journée, puis. Ouais, 25 ans. Et j'en braillais hier quand je faisais mes cupcakes, là. Tu sais, des fois, quand je suis seule à mon alone time, il y a tout le temps des petites choses qui partent, puis tu sais, tout ça. Puis, ouais, je faisais mes cupcakes, puis des fois, j'avais les larmes aux yeux, parce que je sais pas, tu sais.
Je suis peut-être trop rendue émotive, je sais pas. Peut-être que la vieillesse me rend de même. Mais, ouais. Tu sais, puis là, j'étais comme, oh my god, tu sais, parce que j'ai jamais eu l'habitude vraiment de faire de la popote. Puis là, ce temps-ci, je commence à faire de la popote. Tu sais, j'ai fait du poulet à un moment donné avec des pâtes, puis du fromage, puis mettre des petites épices, puis tout ça, tu sais. J'ai toujours été capable. Je suis bien débrouillarde, tu sais. C'est juste que je le prends pas la peine de le faire. Des fois, ça me tente pas. Je suis lazy. Tu sais, c'est comme. Tu sais, je peux faire une brassée de lavage, tout ça, mais c'est comme. J'étais tellement habituée que je suis chanceuse, ma mère, elle fait tout ça. Ouais. Puis, tu sais, je regarde tout le cheminement que j'ai fait, ma peur de poids, tout ça. Fait que c'est sûr que. Ça me fait pleurer là. De voir ce que je suis aujourd'hui à 25 ans, puis de voir ma dernière année que. Ah! Comment que j'ai grandi, puis tout ça. Fait que. Je pensais jamais à 25 ans que j'étais pour ressembler à ça. Ça, c'est quelque chose que je suis fière de moi, puis je suis toujours fière de moi, puis ça, c'est quelque chose que je me dis toujours qu'il n'y a personne. Personne, no one in this freaking world would ever take away of me my weight loss journey. Ça, y a pas personne. Ils peuvent m'enlever tout l'or du monde, toutes mes affaires. Ils peuvent jamais m'enlever ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour. C'est quelque chose que je me suis bottée pour le faire. Fait que ça, la vie, là, elle pourrait jamais m'enlever ça. Jamais. Elle m'a enlevé bien des affaires, elle pourrait bien m'enlever des affaires encore, mais ça, jamais. Fait que sur ça, je m'en vais continuer à fêter ma fête. Arrêter de brailler. On se revoit dans une autre vidéo. À bientôt.